Salut tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, soit si c'est en différé, soit si c'est en direct, mais soit depuis selon le fuseau horaire en fait, hein, puisque si vous nous regardez depuis le Québec par exemple, ou la Nouvelle-Calédonie, ou les Antilles, eh bien il y a un décalage horaire, figurez-vous. Je pense que vous êtes au courant. En parlant de courant, nous allons jouer aujourd'hui sur le sens des lettres une partie à vocabulaire courant, justement. 3 minutes par coup, donc une partie préparée, très, comment dire, très efficace, très utile pour les débutants, pour apprendre, pour initier les débutants. Donc n'hésitez pas à faire tourner la vidéo auprès de vos proches que vous voulez embarquer dans votre passion du Scrabble duplicate. Partie à vocabulaire courant, les mots connus, les mots joués au top sont connus, sont assez faciles ils sont connus, pardon, surtout connus. Parfois ils peuvent être un peu compliqués à construire ou à placer, mais voilà, ce sont des mots à vocabulaire courant. On ne peut pas dire j'ai raté ce mot parce que je ne le connaissais pas. Du coup, ça permet de travailler sa technique de recherche, de construction, etc. Il n'y a pas de la frustration de bah, « de toute façon, je ne le connaissais pas, je ne l'aurais jamais trouvé ». Non, là, ce sont des mots connus. On ne peut pas avoir ce genre de justification de l'échec, entre guillemets, bien sûr. Hein. Tout est relatif, ça n'est qu'un jeu. Donc, on va y aller. Avec un premier tirage. Je vous souhaite une belle partie. Oui, pardon, juste, c'est pas indiqué, mais il y aura un décodage à la fin de la partie, c'est-à-dire les sous-topes, les isotopes, les définitions des mots peu courants. Alors pour le coup, ce seront sûrement plutôt ceux qui apparaissent en sous-top ou dans les appuis, quelques définitions, voilà. On y va. Vous n'avez aucune lettre. Devant vous, voici Égypte E. Luxembourg L. Égypte E deuxième. Norvège N. Tunisie T. Zambie Z. Venezuela V. Vous jouez avec Égypte 2 fois, Luxembourg, Norvège, Tunisie, Zambie et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Pour ce premier coup, le top s'élève à 54 points. Vous ferez attention à la solution retenue. Horizontalement, en H8, nous posons lever L, E, V, E, Z. Lever H8. Ça fait 54 points. Nous posons le V, mais aussi le L, le E, le deuxième E, le Z, ha ha ha. C'était la boutade du samedi, j'espère que vous en avez profité parce qu'il n'y en aura pas souvent. Alors, il reste Norvège et Tunisie. On ajoute Grèce, G. Danemark, D. Italie, I. Égypte, E, 2 fois. Vous jouez avec Norvège, Tunisie, Grèce, Danemark, Italie, Égypte 2 fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Vous ferez très attention à la place verticalement en 11 E. Sur le deuxième E de lever, nous posons déteigne. D, E, T, E de lever, le deuxième, I, G, N, E. Déteigne, 11 E, 90 points. Donc vérifiez bien la grille à l'écran. C'est le deuxième E de déteigne qui se confond avec le deuxième E de lever. Après ce Scrabble, plus aucune lettre, voici Suisse S, Algérie A, Luxembourg L, Océanie O, Roumanie R, Italie I 2 fois. Vous jouez avec Suisse, Algérie, Luxembourg, Océanie, Roumanie, Italie 2 fois. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top qui s'élève à 68 points. Encore une fois, on fait attention à la place du mot. Nous jouons horizontalement en L7 sur le dernier E de déteigne. Isolerait. I, S, O, L, E de déteigne. R-A-I. Isolerai, L7. Ça fait 68 points. Après ce Scrabble, aucune lettre au reliquat. Voici Italie I, Égypte E, Portugal P, Algérie A, Roumanie R, Xénophon X et Luxembourg L. Vous jouez avec Italie, Égypte, Portugal, Algérie, Roumanie, Xénophon et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 76 points. Ça n'est pas un Scrabble, mais ça en a le score. Verticalement en 14 I, on appuie sur le deuxième I, le I final de isolerai. Nous jouons expirer. E, X sur la case bleu foncé, P, I de isolerai, R, A, I. Expirer, 14i, n'oubliez pas le i à la fin du mot, ça fait 76 points. Il vous reste une lettre au reliquat, Luxembourg. On ajoute Algérie A, Égypte E, Wallonie W, Suisse S, Tunisie T et Suisse S, c'est le deuxième. Vous jouez avec Luxembourg, Algérie, Égypte, Wallonie, Suisse deux fois et Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le top de ce coup est de 50 points. Verticalement, en 15D, nous jouons Sweat. SW. Non. C'est une nouvelle lettre, c'est SW. SW. Non, non. SWEATS. Le S qui fait EES avec le E de expirer. Donc nous avons bien joué Sweat au pluriel en 6 lettres, donc en 15D pour 50 points. Il vous reste une lettre, Luxembourg, vous la rejetez. Et on repart avec Algérie A, Uruguay U, Italie I deux fois Suisse, S. Norvège, N. Et Tunisie, T. Vous jouez avec Algérie, Uruguay, Italie 2 fois, Suisse, Norvège, Tunisie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 65 points. Faites attention à la fois aux mots retenus et à la place choisie. Nous jouons horizontalement en G3, au-dessus des lettres de levée. Nous posons usiner. U-S-I-N-A-I-T. Usiner, G3, 65 points. Le I et le T finaux, pardon, forment il et te avec les 2 premières lettres de levée. Donc vérifiez bien la grille à l'écran. Usiner, nous jouons usiner, U-S-I-N-A-I-T, au-dessus des 2 dernières lettres de levée, c'est-à-dire en G3. Pour 65 points donc. Après ce Scrabble, vous n'avez plus aucune lettre. Voici Yougoslavie, Y. Océanie, O. Jordanie, J. Océanie, O, c'est le 2e. Égypte, E. Italie, I. Et Norvège, N. Vous jouez avec Yougoslavie, Océanie 2 fois, Jordanie, Égypte, Italie et Norvège. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. « 57 points horizontalement en O12 sur le I de expirer. Nous posons joie. J-O-I-E. Joie. O12. Ça fait 57 points. Quatre lettres au reliquat, Italie, Norvège, Océanie, Yougoslavie. Vous ajoutez Portugal, P, Uruguay, U, 2 fois. Vous jouez avec Italie, Norvège, Océanie, Yougoslavie, Portugal, Uruguay 2 fois. Chrono. vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un top à 50 points, horizontalement en F2. En collante au-dessus de usiner, nous posons youpi. Y-O-U-P-I. Verticalement, on forme OU, O-U, US, US, PIPI et IN, IN, avec les lettres de usiner. Youpi, F2, ça fait 50 points. Après la joie, c'était normal de jouer youpi. Il vous reste deux lettres, Norvège-Uruguay. On ajoute Norvège N, c'est le deuxième. Océanie O. Norvège N, ça vous en fait 3. Océanie O, c'est le deuxième. Et Roumanie R. Vous jouez avec Norvège 3 fois, Uruguay, Océanie 2 fois et Roumanie. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le maximum sur ce coup est de 16 points verticalement en 4A. Pour terminer sur US, déjà sur la grille, nous jouons nounou. N-O-U, N-O, le U de youpi et le S de usiné. Nounou, 4A. Ça fait 16 points. Au reliquat, vous avez deux lettres, Norvège, Roumanie. Ajoutez Suisse, S. Roumanie, R, deuxième. Algérie, A. Danemark, D. Et Égypte, E. Vous jouez avec Norvège, Roumanie deux fois, Suisse, Algérie, Danemark et Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. « 68 points sur ce coup, vous ferez très attention au mot choisi et à sa place. Nous allons poser horizontalement en K1 pour terminer au-dessus du S de isoleré, au-dessus du I pardon, de isoleré. Nous posons renard, R-E-N-A-R-D-S. Le S forme si, SI avec le I de isolerait. Renard, RENARDS en K1. Ça fait 68 points. Vous n'avez plus aucune lettre au reliquat. Voici Belgique B. Océanie O. Maroc M. Algérie A. Égypte E. France F. Et Uruguay U. Vous jouez avec Belgique, Océanie, Maroc, Algérie, Égypte, France et Uruguay. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Le maximum est de 49 points. Verticalement en 12B, en collante à droite de déteigne et pour terminer sur le Z de levée, nous posons bafoué B, A, F, O, U, E, le Z de levée. O, U et E forment Do, U, et te avec les premières lettres de déteigne. Bafoué, 12B. Ça fait 49 points. Une lettre au reliquat, Maroc. On ajoute Luxembourg, L. Uruguay, U. Grèce, G. Hongrie, H. Algérie, A. Et Égypte, E. Vous jouez avec Maroc, Luxembourg, Uruguay, Grèce, Hongrie, Algérie, Égypte. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Points, faites attention à la solution retenue verticalement en 1K. En partant du premier R de renard, nous allons jouer rhume. R de renard, H-U-M-E. Rhume, 1K, ça fait 39 points. Trois lettres au reliquat, Algérie, Grèce, Luxembourg. On ajoute Danemark, D. Égypte, E. Canada, C. Et Roumanie, R. Vous jouez avec Algérie, Grèce, Luxembourg, Danemark, Égypte, Canada, Roumanie. Chrono. vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. « 32 points, pas plus, 32 points sur ce coup, horizontalement en B10, en appui sur le B de bafoué. Nous jouons câblé, C, A, le B de bafoué, L, E, R. » Câblé, B10, n'oubliez pas le R final, ça fait 32 points. J'ai oublié de poser le mot, le voilà. Câblé, C-A-B-L-E-R, en B10 pour 32 points donc. Deux lettres au reliquat, Danemark et Grèce, vous les rejetez. Et on repart avec... le premier joker, lettre blanche, Tunisie, T, Suisse, S, Tunisie, T, c'est le deuxième, Égypte, E, deux fois, et Canada, C. Vous jouez avec joker, Tunisie deux fois, Suisse, Égypte deux fois et Canada. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. 77 points. Fais attention à la solution retenue. Le joker est un O d'Océanie, horizontalement en A2, sur le premier N de Nounou, donc tout en haut. Nous posons conteste. C'est le joker qui remplace un O d'Océanie, N de Nounou, le premier, T, E, S, T, E. Conteste 77 points en A2. Après ce Scrabble, plus aucune lettre, voici Égypte E, Danemark D, Égypte E deuxième, Italie I, Tunisie T, Québec Q, Québec, et votre deuxième joker, lettre blanche. Vous jouez avec Égypte deux fois, Danemark, Italie, Tunisie, Québec et joker. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Un maximum à 90 points. Le joker sera un U d'Uruguay, comme on pouvait s'en douter, mais on va également jouer en appui sur un U. Horizontalement en C3 sur le U de Nounou, et pour terminer sous le C, de Cablé, nous jouons quiétude. Q, le U de Nounou, I, E, T, le joker qui remplace un U d'Uruguay, D et E. Le E forme ce CE avec le C de câblé. Quiétude, C3. Ça fait 90 points. Après ce Scrabble, plus aucune lettre au reliquat. Voici Maroc M, Roumanie R, Uruguay U, Norvège N, Grèce G, Algérie A et Luxembourg L. Vous jouez avec Maroc, Roumanie, Uruguay, Norvège, Grèce, Algérie et Luxembourg. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Il est temps de... Je ne sais plus quoi, pardon, je perds le fil. Non, non. Oui, vous êtes bien sur une partie de Scrabble, je ne suis pas parti ailleurs. Le top de ce coup est de 26 points. Horizontalement, en N1, en partant du M de rhume, nous jouons Magnum. M de rhume, A, G, N, M. Magnum N1, ça fait 26 points. Deux lettres au reliquat, Luxembourg et Roumanie. On ajoute Maroc M, Luxembourg, L, c'est le deuxième. Hongrie, H. Algérie, A. Et Venezuela, V. Vous jouez avec Luxembourg, 2 fois, Roumanie, Maroc, Hongrie, Algérie et Venezuela. Chrono. Il vous reste 30 secondes. Voilà, le coup est terminé. Ce sera le dernier coup de la partie pour 31 points. Il y avait plusieurs solutions possibles, notamment Val ou Var en J2. Et on peut également jouer, peu importe ce qu'on va jouer, parce que la partie est finie. Mais puisqu'il faut bien afficher un dernier coup, verticalement en 10, E, nous jouons A, AH, qui forme ADO et EHEU avec les lettres déjà sur la grille. A, AH. En 10 E, ça fait 31 points. Vous avez joué une partie en 17 coups et le top cumulé est de 938 points. Dans quelques secondes, on va décoder tout ça. Allez, à tout de suite. Au premier coup, on a joué lever. On pouvait également jouer véler, verbe au participe passé invariable, mettre bas en parlant de la vache. Mettre bas, c'est le terme pour dire accoucher, hein, pour les animaux. Venez faisait 54 également, ainsi que vêter du verbe vêtir. Sans lever, on perdait des points. 48 avec hanter, c'est un verbe qui signifie greffer, notamment en botanique. Tenez, et puis après c'est des venez, vélez, mal placé. Voilà, donc on a joué lever pour la rallonge E, devant bien sûr. Et voilà, et en appui, nous avions une seule possibilité en 8 lettres, à savoir ventiler, EZ, sur un I. Le coup suivant, nous avons quadruplé avec déteigne, du verbe déteindre. C'était le seul Scrabble possible, mais bon, a priori, pas très difficile à construire si on fait GNE et puis DE au début du mot. Mais bon, ça reste quand même un Scrabble unique, c'est jamais simple. Enfin, c'est jamais simple. Ça peut être difficile, voilà. D'autres, donc déteignes passées à différents endroits, hein, je vous les montre, entre 62 et 90 points. Et puis en quadruple, sans scrabler, on avait 36 avec déneiger. Et ensuite, on utilise le Z pour marquer des 34 et 32, etc. Donc dentier, du verbe denter, teigner, du verbe teindre, tendier, du verbe tendre, dénier, du verbe dénier, etc. etc. Tout ça faisait 32 ou 34 points. Donc nous avons joué déteigne. Les autres appuis possibles sur ce tirage, pardon, c'était un A pour dégéner, D-E-G-E-N-A-I-T, un F pour défige, E-N-T, un I pour indigète, divinité propre à un pays ou à une ville dans l'Antiquité romaine, et sur un R, digère, E-N-T, ou rédige, E-N-T également. Le coup suivant, non, pas tout à fait un Scrabble unique, l'autre Scrabble n'est pas très connu, c'est le verbe royer, R-O-I-2-L-E-R. C'est un helvétisme qui signifie battre ou frapper ou pleuvoir. Donc on a joué isolerer, il faisait 68 sur le deuxième E de déteigne, il faisait également 62 plus haut et 60, pardon, à la verticale. Royer, lui, c'était sur le L de levée, donc il faisait 59. Et c'est tout. Ensuite, on passait à loisir, 25 points, qui mettait un S au bout de déteigne. Isolé, même endroit, 25. En termes d'appui, donc à part isolerer et royer, on avait oralisé sur un A, foirail sur un F, F-O-I-R-A-I-L-S. C'est égal à foiral, F-O-I-R-A-L, c'est un champ de foire. Grisolé, avec un ou deux L, l'alouette, grisole. Donc là, avec un seul L, A-I sur un G, rigoler, anagramme, donc A-I-S, poliré sur un P, rissolé sur un S, lotiré sur un T, et ravioli, virolé sur un V. Le coup suivant, on a expiré, qui doublait, triplait le X et doublait le mot, donc ça faisait un score élevé, 76. 2 points de moins avec expier ou expira. Et puis ailleurs, ça se passait apex pour 51 ou xé, avec le X en pivot sur la case bleue. En termes d'appui, on avait préfixal sur un F et explorer, AI, sur un O. Le coup suivant, le W, on a joué souhaite pour 50 points, sous-top Wally au pluriel, 45, souhaite passer au même endroit sans le S pour 44, tout comme Wally, le jeu africain, ou Awele, W qui triple, etc. Voilà, il y a plein de solutions à plus de 30 points avec le W sur une case bleue. En termes d'appui, rien à signaler. Le coup suivant, plusieurs Scrabble possibles là. Nuiser, sinuer, et usiné. Donc c'est un trio, enfin un quatuor même avec Suinté AI qui passait pas de la même façon. Donc on a joué, nous on a joué usiné pour au-dessus pour l'alternance voyelle consonne qui facilite les collantes, et puis j'ai décrété que on pouvait plus facilement jouer ici avec un E ou un S, un Scrabble, que au-dessus si on avait eu un L, LI pardon, on aurait pu mettre que P, erreur de ma part. Je cherche, je réfléchis en même temps, bon, je vois pas. Et voilà, donc usiné, on l'a joué au-dessus pour qu'on puisse plus facilement scrabbler par la suite. Donc suinté, je l'ai dit, ça faisait 61, et insulté en joli double appui qui ne fait que 60 points. Ensuite, on ne scrabblait plus. Il y avait des petites collantes intégrales en 15L, 4 lettres. On prolonge isoleré et on joue en triple. Donc il y avait saint, tin, tian à cet endroit. En termes d'appui, je pense qu'il doit y avoir pléthore. Donc les 4 de cette lettre, je les ai dit. Il y en a 19 en 8 lettres. Je vous en donne quelques-uns. Instiga, huitain au pluriel, lusitain, synonyme de portugais, terme historique pour dire portugais. On parle de lusophone pour les locuteurs portugais. Et puis ensuite, voilà, beaucoup de conjugaisons, institua, minuté, mutiné, AIS. Le coup d'après, on a joie sur avec le J qui double et le mot qui triple. Sous top 38 avec 50... avec yen ou yin en H1. Yin passe également en O13 sur le I. De expirer pour tripler, et puis wa à différents endroits, toujours pareil, hein, la lettre chère sur les cases bleues foncées. Si on peut jouer en pivot, c'est jackpot, 60 points, et sinon on joue simplement, on marque facilement 30 points, donc ce sont des places à privilégier autant que possible. En termes d'appui, je crois voir un jointoyer, voilà, jointoyer, terme technique pour pourvoir une maçonnerie de joints, c'est mettre des joints sur un ouvrage de maçonnerie. Jointoyer, donc verbe intéressant avec J et Y, donc jointoyer et jointoyer A, ce sont des 8 lettres, donc ça peut faire mal. Voilà, coup suivant, on a joué youpi. Pas de youpin dans l'officiel du Scrabble, terme trop injurieux. Youp, même place, faisait 7 points de moins. Yin, pareil que tout à l'heure, 38. Wa, youp, ici également. Alors le youp, c'est une interjection, également, comme youpi. Hein. C'est la même... peut-être pas la même définition, mais alors je connais pas la définition de youp. Je vais aller vérifier, c'est pareil, hein, youp, c'est exprime l'allégresse. Allez, youp. En termes d'appui, je ne crois pas qu'il y ait grand chose. Non, neuropsychique en 14 lettres, oublie ça. Non, non. Donc, le coup suivant... Nous avons joué nounou pour 16 points. Alors là, pas grand-chose hein, sur ce genre de coup. On n'a que des lettres à 1 point, pas de 3N, 2O, pas de place pour marquer des points. Donc voilà, on essaie de gratter par-ci, par-là. Rupin sur le P qui faisait 14. Orpin, voilà, pas connu. Et nounou. Alors pas évident, hein, ce genre de coup, mais le mot est connu, donc... je l'ai retenu, voilà. Alors, en termes d'appui, rien. Et au coup suivant, nous avons joué, là c'était un petit peu plus riche. On avait en main Rembra et Renard, anagramme donc, qui faisait 68 points en K1. Les deux mots passent également en I2 pour faire île au pluriel. Vous voyez l'ouverture, hein. 64 ou 63, et puis ensuite raser EZ qui fait 35, dernier 30 points sur le Y de Youpi. En termes d'appui, donc on a vu Rendra, AS et Renard au pluriel en 7 lettres, et en 8 lettres, il n'y a que 6 possibilités. Renarda, renardé, parce que c'est un verbe. Enfin, renarde, du coup, parce que le verbe est participe passé invariable, donc renard 2S. Rencard sur un C, rendré sur un I, raderon, ONS sur un O, et prendra, AS, sur un P. Le coup suivant. Alors là, on a joué un joli bafoué, un petit peu compliqué à placer, mais voilà, ça fait, c'est un mot connu, donc il est là. 49 points, on pouvait limiter un peu la casse avec fourbe, joker, pardon, pas de joker, non, le B qui triple, qui double et le mot qui triple. Barouf, même endroit, faisait 39, fourme, 36, baffré, 33. Voilà, tout se passe là pratiquement, 33 également avec fumera. Et on a un beauf qui fait le B qui triple et le mot qui double pour 32 points. En termes d'appui, bafouam, en 9 lettres, il n'y a rien en 7, rien en 8. Bafouam, malbouffe et bouffam en 9 lettres. Ou suivant. Alors là, on a joué rhume. Alors j'ai prononcé rhume, mais j'aurais pu prononcer rome ou romé, puisque romé, c'est un verbe qui veut dire additionner de rome. D'ailleurs, on a pu également jouer roma. Voilà, le verbe romer. On pouvait également jouer Roma au même endroit. En B10, on avait 36 avec able, le H qui double, le qui triple et le mot qui double. Le H en pivot sur une case rose et une collante avec aller faisait 36 également. Et home, H triple, mot double, 36 aussi. Et encore un 36, huméral en 1G, adjectif. Donc on a joué Rome. Rhume ou remet, on prononce comme on veut. Et le tirage scrablé sur rien du tout. Il n'y a pas d'appui ni en 7, ni en 8, ni en 9. Le coup suivant, là on a joué câblé. Donc pour moins 2, on pouvait, il y avait câble évidemment, et cabré. Rédac en M3 qui faisait sic, 30 points. Clébar, 28. Ça aurait mérité de faire un peu plus, clébar, parce que c'est assez joli comme mot. Hein. Enfin, comme mot au Scrabble, je veux dire. Le terme en lui-même, son sens, etc. C'est pas très agréable, mais voilà. En termes d'appui, je crois qu'il y a une solution, oui, déglacer sur un E. Et puis en 9 lettres, déglacera, cargolade, grillade d'escargot, et cerdagnole. Voilà, coup suivant. Alors on a joué contesté, même endroit on pouvait faire canette ainsi que cunette, C-U-N-E-T-E-S. C'est un petit canal. Il se trouve que j'ai habité quand j'étais à Dunkerque, j'ai habité rue de la Cunette. Voilà, j'ai pas tout de suite compris que c'était valable au Scrabble, mais après je l'ai retenu. 77 points, tout ça. 76 avec sucrette, Cosette, 72, couette. Voilà, il y a les deux T, E, 2 TE, ça va être une terminaison à retenir, enfin en tout cas à privilégier dans, dans ce coup. Saucette et Cosette sont anagrammes. Je vais vérifier une chose. D'accord. J'ai vérifié si Cosette était variable ou invariable. Le mot est bien variable. On peut le mettre au pluriel parce que faire Cosette, ça aurait pu être invariable. Alors, voilà, il y avait couette, cousette, côté, C-O-T-E-E-S, testacé, tercé, casette, etc., etc., sucette. Vous voyez, il y avait plein de Scrabble qui passaient là en I2, I3. Et tout ça faisait entre 62 et 70 points. Et ensuite, on marquait plus en C2, au compte double, en C3 aussi, et puis sur le triple pour le top. Donc on a joué contest. En termes d'appui, il y a sûrement pas mal de choses. Bon, il y en a trop. Les trois mots de cette lettre ont été cités. Casette, côté EES avec deux T, sucette, tercé et l'adjectif testacé. T-E-S-T-A-C-E. Coup suivant, de nouveau le joker. Voilà, deux coups d'affilée avec le joker, ça peut être un peu stressant, d'autant que là, il n'y a pas beaucoup de place pour scrabbler. Il y a bien le U de nounou, mais en général, le joker, on a tendance à on a tendance à le mettre vers la fin, notamment pour former la terminaison IQE. Mais là, c'est pas le cas, donc bon, est-ce que c'est facile à construire ou pas, quiétude, je me rends pas compte, mais le mot est connu. Donc voilà, si vous l'avez trouvé difficile ou pas, vous me le dites dans les commentaires. Même cas que dans plusieurs coups de la partie, c'est un Scrabble unique, donc le sous-top n'est pas un Scrabble. Là, il y avait DIT A34, au pluriel Joker S, sans le S 33, coédité en E3 pour 30, et puis il y a plein de solutions à 30 points encore. Bon, c'est la même chose, DIT qui... Voilà, il y a équidé, isoète en collante, l'été, voilà, il y a beaucoup de collantes médic, cat qui fait out ou qui fait oui, tout ça, ça fait 30, voilà, il y a plein de 30 points. Et donc nous, on a joué quiétude. Et en termes d'appui, je vois au moins une autre solution, bah, c'est ça, il n'y a que... pour retenir les deux mots ensemble, éditique. C'est de la création de logiciels dans l'édition de documents. Et quiétude, hein, ce sont deux mots qui sont très proches en termes de contenu de lettres. Il n'y a que le I et le U qui diffèrent d'un mot à l'autre. Hein. Quiétude, Q-U-I-E-T-U-D-E, et éditique, un U à la place du... On enlève un U, on met un I, on mélange et on a éditique. Le coup suivant, on a joué magnum. Voilà, ça faisait 26 points. Moa, 22, Garum, Luma, 21, voilà, plein de petits mots pas très connus pour les sous-tops, mais Magnum, lui, ça passe. Rien en appui, Mélangeur, Grumela en 9 lettres, Granulome, Grumelant et Margoulin également en 9 lettres, ce sont les 5 mots possibles avec ce tirage. Il n'y a rien en 7 et rien en 8 lettres non plus. Le coup suivant s'approche de la fin, c'est le dernier coup d'ailleurs, voilà, on pouvait jouer var ou val avec le V en pivot sur la case bleue, de même que HA au même endroit, ailleurs et partout, voilà, dès qu'il y a une case bleue, pour le V, le H, on va marquer 28, ou le F, on va marquer 28 points facilement en faisant ce genre de configuration. 13 points dans un sens, 13 points dans l'autre, et les 2 points du petit mot de lettre formé, tout ça, ça fait 28 et c'est assez fréquent. Voilà, on a terminé pour le décodage de cette partie. Je vous remercie de l'avoir suivi, d'avoir suivi la partie, de l'avoir joué. J'espère que vous avez appris 2-3 choses, que vous avez passé un bon moment et que vous allez parler de la chaîne autour de vous parce qu'il y a besoin que du monde vienne maintenant. Hein. On monte en puissance, voilà, donc n'hésitez pas si vous connaissez des gens à initier au jeu, bah, vous leur en parlez, vous les amenez dans votre univers. Et puis aussi, oui, important, j'en ai pas parlé au long de la partie, mais si vous avez la possibilité de soutenir financièrement la chaîne, parce que c'est du boulot, c'est des investissements, donc voilà, n'hésitez pas si vous pouvez le faire. Il y a une cagnotte okpal.com/lsdl. Il y a le lien dans les descriptions. Et puis sinon, vous avez aussi le lien en bannière en haut sur le petit logo. Il y a un petit logo vert en haut de la page d'accueil de la chaîne YouTube. Voilà, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt. Il y a du Scrabble tous les jours de toute façon ici, donc allez, à plus, ciao ciao.